Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un spécial fond. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc là, j'ai préparé trois images parce que, pour celles qui sont habituées, vous savez, on fait toujours trois images à chaque spécial fond. Donc, on va faire trois fonds ensemble et après, on regarde un peu celles qu'on a préférées. Et là, il faut que ça sorte bien parce que c'est des images que j'ai pas pris des livres de test. J'ai pris des livres que je veux colorier ces images-là. Donc, on se croise les doigts parce qu'on va prendre de l'aquarelle. on va faire deux fonds à l'aquarelle et un fond au gélato. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes gélatos. Et comme j'en ai eu des nouveaux dernièrement, on va faire ça comme ça. Donc, premier livre que j'ai préparé, j'ai déjà placé mon drawing gum tout partout pour pas être obligé de faire ça avec vous, c'est moins long. Et comme ça, il n'y a pas de danger que j'accroche toute mon image. Donc, j'ai pris le Fairytopia de Mystic Art Miroir pour ceux qui ne connaissent pas et que si jamais vous aimez les images, je vous mets la boutique Etsy en barre d'infos. Je les ai achetés en PDF et je les ai reliés. Donc, on va mettre des petites feuilles pour protéger. Et là, j'ai déjà toutes mes idées. Je sais déjà ce que je veux faire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et ça, c'est sur le papier mixed média. J'imprime tous mes PDF sur ce papier-là. Donc, on va prendre la petite aquarelle que je vous ai présentée dernièrement. Ça fait pas très longtemps. Et là, pour ce fond-là, j'ai envie d'y aller avec le bleu. J'avais eu un gros coup de cœur pour cette couleur-là. Quand j'avais fait mon haul dans la partie 1. Donc, ça va être celui-là, le E06. Je vous mets aussi ces aquarelles-là en barre d'infos parce qu'elles sont géniales. Je vais vous montrer le swatch pour ceux qui n'auraient pas vu le haul. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, là, il y a de la paillette dessus, mais ça, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. Ils n'ont pas de paillettes, là, les aquarelles. Donc, c'est celle-là, la bleue ici. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser pour faire le fond de ce colo, que je fais d'ailleurs avec ma copine Ice Angel en duo. Bon, ok, c'est parti, mes amis. Je vais prendre une seule couleur de aquarelle. Et ensuite, après avoir mis mon aquarelle partout, je vais utiliser un autre truc que je vous ai montré dans le haut. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Le Prisma 65, et c'est les pigments caméléon red, violet, bleu. Donc, je vais mettre ça par-dessus. Et quand ça va être fini, je pourrai le fixer pour que les pigments restent accrochés dessus. Bon, c'est parti, mon petit kéké, en espérant que on va avoir quelque chose de beau. Mais là, ça, c'est un peu moins pire, c'est un PDF. Donc, si je me rate, je peux toujours le réimprimer et le remettre dans mon livre. Que je vais immédiatement. Oh non, je ne vais pas tâcher mon petit truc là. Attention, Zazoé. Donc, je vais modifier la peinture un petit peu. Je vais la mettre de ce côté-là, ça va aller mieux. On va la laisser travailler légèrement. Ok, bien, je vais le laisser un peu travailler et après je vais l'utiliser. Ah, mon pinceau, il roule tout seul. OK, bon, c'est parti. Je vais appliquer ma couleur. Je vais faire un peu d'avance rapide. Ça devrait pas être un spécial fond très long aujourd'hui, hein? Mais bon, j'avais envie de faire ça avec vous. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens un coup que j'ai tout appliqué la couleur tout partout. OK, donc, je vais laisser sécher le premier fond. On va passer maintenant au deuxième. Je crois qu'ici, j'avais oublié de mettre du drawing gum, mais bon.
je ferai avec rendu là. Et puis s'il y a des endroits quand je vais enlever mon drawing gum qu'il manque un peu de pigment, je vais mettre du bleu foncé ou du noir avec le crayon, ça paraîtra pas. Donc on laisse sécher, ensuite on va y revenir pour appliquer le petit pigment, voir ce que ça va nous donner. Donc je le mets de côté. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici et voilà. Donc, le prochain, on va le faire dans un anacardzone. Ça va être dans le Season et ça fait super longtemps que j'ai envie de faire ce portrait-là. Donc, on va utiliser la même aquarelle. Par contre, on ne va pas utiliser la même couleur. J'ai tellement capoté sur ces aquarelles-là que je me suis dit, je vais les mettre dans un fond. Donc, je crois que je vais y aller. Soit que je vais avec le genre de brun ici, ou je prends le genre de rouge. Je crois que le brun, j'aurais peut-être un meilleur résultat, puisque ben, dans mon idée, c'est de faire une blonde presque blanche, platine, et faire des fleurs un petit rose pâle. Donc, je pense qu'un fond comme ça, avec du brun, ça pourrait être intéressant. Je pourrais venir faire des écritures après, en doré. Ouais, je crois qu'on va y aller avec ça. Donc, ça va être le E08 dans la palette, c'est le Brownish Black. Donc là, je vais juste changer mon pot d'eau. Je vais enlever lui. Donc, je vais procéder un peu de la même façon que j'ai fait ben, dans le Mystic Art Miroir. J'avais, comme vous avez pu voir, hein, j'avais pas vraiment de technique. C'est plus que je m'amusais avec les pigments sur le papier. Et après, ben, je vais venir plus jouer avec ben, les pigments à paillettes. Donc, je vais humidifier encore une fois mon petit couleur. Et je vous laisse encore une fois regarder. Là, je me demande si je ne devrais pas me mettre un tape ici. J'essaie de faire attention. Donc, c'est parti. Lui aussi, il est tout recouvert de drawing gum. Donc, je n'ai pas à me casser la tête là, à tout contourner. À part les petites feuilles, là, je me suis dit que j'allais les faire foncer. Fait que c'est pas grave si jamais ben, je les accroche. Donc, je vous laisse regarder. Bon, avec un autre fond qu'on va laisser sécher, on va le peaufiner un peu plus tard. Et là, on va prendre les gélatos. Donc, je vais serrer la palette. Vraiment, je l'adore. Elle est de superbes belles couleurs. Et ben, comme vous allez pouvoir, j'ai pas travaillé trop fort. Hein? Ça fait le travail tout seul. C'est vraiment génial, cette petite aquarelle-là. Et je m'étais bien dit que j'allais la mettre dans un fond et je voulais faire ça avec vous. Donc, bon, ça a été rapide, mais on va faire quelques petites modifications quand ça va être sèche. OK. Bon, je peux serrer l'eau parce que maintenant, on va prendre les gélatos et je vais les utiliser à sec. Je ne vais pas les aquareller. J'aime pas trop aquareller les gélatos. Donc, pour faire mon fond au gélato, j'ai choisi un colo dans mon merveilleux livre de Christine Caron. J'essaie d'y aller au moins une fois par mois. J'ai eu le mois passé, donc j'essaie de m'y tenir. Donc, j'ai choisi cette image-ci. Je la trouve trop belle et on va la faire au gélato. Et ce que je veux faire, après avoir utilisé les gélatos, c'est prendre un autre truc que je vous ai montré dans dans le haul, partie 1, les petites dentelles ici. Donc, ben, je sais pas, peut-être essayer d'en insérer parce que je trouve qu'il est un peu romantique ce colo-là. Donc, j'aimerais faire quelque chose dans ce style-là. Je sais pas, on va regarder après. Et j'ai aussi sorti mon Mystical Ephemera, le truc de collant que je vous avais montré. Peut-être qu'on pourrait en intégrer au travers, je sais pas trop. On va voir, on va commencer par faire la couleur du fond avec les gélatos et on verra après. Bon, fait que je vais essayer de prendre des gélatos irisés et métallisés aussi, parce que je veux avoir les deux dedans.
Et là, j'ai besoin de feuilles pour protéger, parce que même si c'est du gelato et que c'est à sec, des fois, si on dépasse, ça peut tacher les autres pages et je préfère pas. Là, on va enlever celle-là. Par contre, sinon, elle va tout me tacher le livre. Hein. Ben voyons. Elles sont toutes tachées. Et l'autre côté est taché, donc je vais l'enlever. OK, des feuilles propres de préférence. OK, je mets ça là. Comme ça, j'ai tout mon tour protégé. OK, donc là, quelle couleur je vais faire? Donc, il faut que je réfléchisse à quelle couleur que je veux mettre mon personnage. J'aimerais peut-être aller dans des teintes de... Peut-être faire ses cheveux bruns, faire des fleurs jaunes avec un peu de turquoise peut-être. Ça pourrait être intéressant. Donc, je ferai quoi comme fond? Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais faire quelque chose dans des teintes de juste de bleu. Vous en pensez quoi? On va essayer ça. Teinte de bleu. OK, ça c'est satellite irisé. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans le hall. On va prendre quoi? Si je prendrais un peu de raisin métallique, un peu de mauve. Et Nebula pourrait être intéressant. Donc, je vais partir avec ceux-là, puis peut-être une petite teinte un peu plus claire. Mais je vais aller tout dans des couleurs soit métalliques ou irisées. Donc, je prends pas mes teintes normales. Là, je sais, je fais du bruit. Un coup, je vais avoir trouvé mes couleurs, je ferai plus de bruit. J'ai-tu un petit bleu métallisé, moi? C'est quoi celui-là? Ah ouais, un petit bleu métallisé. OK. Fait que pour mon fond, je vais prendre quatre couleurs. Je vais les mélanger. Et dans le fond, je vais construire le fond graduellement. J'ai pris le métallisé raisin métallique, le satellite irisé, le métallisé bleu métallique et le irisé nébuleuse. Donc, je vais mélanger ça. Je vais commencer par le satellite, qui est le 1 irisé. Et je vais l'appliquer avec mes doigts. Donc, je vais commencer avec cette teinte-là. Je vous laisse regarder encore une fois. Petite avance rapide parce que c'est quand même assez long à faire. Ok, je mets lui de côté. Il n'y a rien qui dit que je ne le reprendrai pas. Maintenant, je vais aller avec la nébuleuse. Je ne sais pas si je vais mettre du mauve. Peut-être que je vais rester dans des teintes de bleu, vert comme ça, là. Ça va me laisser plus, comment je pourrais dire, carte blanche pour colorier le colo. Parce que je ne suis pas encore sûre des couleurs que je vais utiliser dedans. Donc, je vais mélanger celui-là. Je vais m'amuser à le disposer un peu partout. Thank you.
OK, je vais mettre un peu de mauve. Donc, je vais prendre le brisant métallique. Je me rappelais plus de celui que j'avais pris. Donc, je vais le mettre ici, entre les deux. Je vais y aller légèrement. Je reviens avec le satellite que je vais remettre dans les coins. Et là, le dernier, ça va être le bleuet métallisé. Et je vais en mettre un petit peu de celui-là. Je reprends un peu de nébuleuse. Comme je vous ai dit, c'est très long à faire. Donc, on y va graduellement. On monte le fond tranquillement, pas vite. Donc voilà, j'ai fini avec les gélatos et là, je vais utiliser le Prisma 65 et je vais prendre un petit pinceau et je vais en tapoter un petit peu dans le fond pour avoir un fond tout pailleté, un petit fond qui va faire féerique d'ailleurs. Puisque avec toutes ces couleurs-là, je trouve que ça fait l'effet. J'aime bien ce que ça donne. Un coup que le personnage va être coloré, je pense que ça va être joli. Donc, je prends un petit peu de pigment. Pourquoi ça fait ça? Ça me fait une tache comme ça. Je pense que je vais prendre le doigt pour venir le mettre au doigt plutôt. Parce que le pinceau, il me fait des taches. Je ne sais pas pourquoi.
OK, donc là, j'ai appliqué partout la petite paillette. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais vous voyez, ça change de couleur. Et c'est très pailleté. Je pourrais même le vaporiser un petit peu. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je vais l'essayer. On va mélanger ça avec ça. Je vais le vaporiser un peu de paillettes. Et là, bien sûr, je vais devoir fixer, hein, parce que sinon, ça restera pas là. Oups! Et là, je veux pas qu'il y en ait sur le tour blanc, parce que le tour blanc, j'aimerais le laisser blanc. Ici, je vais l'effacer parce que ça s'efface, le gélato. Hein. Je vais enlever l'excédent. OK, je vais vous montrer ce que ça donne avec la paillette. Est-ce que j'arrive à vous le montrer ou pas là? Ah oui, vous la voyez, hein? Donc voilà pour le petit fond ferrique. Et là, je me demande si c'est une bonne idée de venir mettre. Je voulais mettre les petites dentelles, mais là, je ne sais pas si ça va être joli. On va voir. Je vais tout de suite effacer ce qui a dépassé du blanc, par contre, parce que si j'attends trop longtemps, j'ai peur d'avoir de la misère. Vous voyez, ça s'efface super bien, le gelato. Juste faire ça propre. Et avant de colorier, je vais fixer mon fond. Comme j'ai un fixatif retouchable, ben j'aurai pas de problème. On va effacer ici aussi. Que ce soit tout beau, tout propre. Et là aussi. Bon, parfait ça. Et là, ben, sur le personnage, je vais les enlever, hein, les paillettes. De toute façon, quand je vais colorier, ça va s'enlever. Voilà. OK, donc on va regarder si ça marcherait de mettre la dentelle. On va voir ce que ça donnerait. Je regarde les dentelles qu'il y a. Peut-être elle pourrait être belle parce qu'il y a des papillons dessus. Je sais pas, hein, peut-être que je la mettrai pas non plus parce que j'aime bien comme ça ce que ça donne. Je pourrais peut-être juste rajouter quelques petits points blancs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est sûr, je ne mettrai pas une dentelle noire. Je vais mettre une dentelle blanche si j'en mets une. Parce que noir, je trouve que ça va trop. Mais ça va enlever le côté doux. Ah, peut-être ça avec les rebords. Je vais commencer par regarder dans le set vert. Il y en avait avec des papillons. Vous voyez celle-là, mettons. Est-ce que ça serait beau si je viendrais coller ça là? Ici sur le côté. Parce que ça l'embarque sur mon personnage. Il faudrait quasiment que je la mette juste à la fin. Parce que là, vu qu'il n'est pas colorié, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être ici, mettons. Et c'est bien qu'il soit transparent parce que comme ça nous donne une idée. Sinon, il y a celle-là qui est toute papillonnée. Ça, je pourrais faire comme qu'elle passe ici au lieu de droite. Ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir des petits papillons là. Je sais pas. Je sais pas. Ou ici, ça part d'ici puis ça monte par là. Puis ici, je fais des points blancs, mettons. Je suis indécis là, hein? Pas comme ça, en tout cas, c'est pas beau. Et ici, mettons, ce serait peut-être pas pire. Sauf que je vais devoir le couper, mais c'est pas vraiment grave. Celui-là, de quoi qu'il y a de l'air.
Non, il est trop gros. Ok, ça serait peut-être lui ou sinon dans le bleu. C'était-tu le bleu? Non, c'était le rose. Oh, vos souhaits mélangés. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée. Là, je vais le mettre, puis dans les commentaires, vous allez me dire, ah non, Zazu, tu n'aurais pas dû le mettre. Si je le mets droit, mettons, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont trop courts. Je l'avais dit quand j'ai je les ai ouverts dans mon hall, j'avais dit, ah, j'aurais aimé ça qu'ils soient longs pour faire, tu sais, tout le contour, ça aurait été beau. Mais là, c'est parce qu'ils sont trop courts. Là, ça coupe carré. Sinon, je le mets comme de même. Je sais pas trop, hein? C'est joli, mais on dirait que je suis pas sûre. Lui, peut-être? Non, ça fait pas beau. Ça, j'aime ça. Puis, je pourrais peut-être mettre des papillons ici, genre. Ça ferait peut-être trop. Que fais-je? Je ne sais pas que fais-je. Ah, j'ai lui aussi qui est carré. Ah non, j'avais essayé, mais c'était pas beau. Je sais pas quoi faire, là. Qu'est-ce que je fais, les amis? J'aurais dû faire ça en live. Ah, moi, j'en mets juste un. Il y a juste un ici qui part du bas. Puis peut-être je pourrais regarder dans mes collants si j'aurais pas quelque chose pour profiter avec. On l'a pas pensé aux petits collants, hein? Je l'avais dit, les petits collants. C'est qu'eux, ils sont colorés. Et je sais pas si ça va faire beau. J'ai rien de blanc dans ça. Non, là-dedans, ça ne marcherait pas. Je voudrais vraiment en mettre une dentelle, mais je ne sais pas quelle mettre. Oh, on peut servir de ça comme pochoir, hein? Je n'avais pas pensé, ce truc-là. Ça peut servir de pochoir. C'est une idée que je lance dans l'univers. Ok, je vais regarder les autres. C'est quoi qu'il y a d'autre? Il y a ça. Si on en aurait eu plusieurs, mettons, j'aurais pu faire le tour. Ça aurait été cool. Mais là... Bon, je pense que je vais aller mettre les papillons. Je les mets ici, mettons. Comme sur le côté. Ou je les mets là. Qui se promènent vers le haut. Je sais pas. Ok, j'ai une idée. Je crois que je vais faire les coins comme ceci. Donc, je vais le couper. Et après, je vais essayer d'insérer les papillons. Comme ça, il y aurait un peu de dentelle autour et les papillons en dentelle. Je pense que ça va être ça la solution. Donc, je vais en couper des petits morceaux. Je vais essayer de ne pas trop gaspiller quand même. Je vais le couper ici, mettons. Ah, j'ai pas de ciseaux. Bien évidemment. Je vais chercher. Je sais pas, hein. C'est-tu une bonne idée de faire ça? On dirait que je suis comme pas sûre. Je vais réfléchir. Vous le verrez dans mes coloriages terminés. Je crois que je vais attendre que le colo soit fini. Et après, je vais décider si j'ajoute de la dentelle. Et ben j'attends des washi tape dentelle d'ailleurs. Fait que peut-être je serais peut-être mieux d'attendre.
Et puis, ben, je verrai après avoir peut-être mis du washi tape, ça pourrait peut-être être mieux, je sais pas. Je suis pas assez sûre pour. Ah, c'est sûr, je mets pas du noir. En tout cas, ça marche pas du tout. Je suis pas sûre. Fait que pour l'instant, on les mettra pas. Tout ce temps-là pour ça. Hein. Mais bon, mieux vaut. Et là, je les ai toutes mélangées, hein. Bon, fait que lui, je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais juste ajouter des petits points blancs dedans. Puis, quand je recevrai mon washi tape dentelle, ben, je le mettrai dessus. Voilà. Je crois que ça va être beau si c'est juste un tour en dentelle. Bon, fait que je vais serrer ça. Ce sera pour une autre fois, hein, les petits collants. J'avais bien hâte de les mettre dans un fond, mais quand j'ai vu la longueur des dentelles, je me suis dit que ça allait être problématique et effectivement, ce l'est. Je pourrais toujours utiliser ça hein, pour venir faire moi-même la dentelle. Je crois que je vais le garder, ce truc-là, pour pouvoir faire ça. Tu sais, venir colorier, puis après, on vient contourner. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Il faudrait que je le teste. Bon, OK. Donc là, nos fonds, ils doivent être sèches. On va aller voir ça. Je vais faire des petits points quand même avec vous. Et je vais en effacer aussi pour faire des petits points. Je vous renvoie en avance rapide parce que là, on perd du temps. Bon, ben voilà pour le troisième fond. Là, je pense que ça a déjà été bien assez long. Tout ça pour ça. Bon, ben quand on sait pas, quand on se décide pas, mieux vaut plutôt attendre que mettre quelque chose, puis après dire ah, j'aime pas ça, puis là, je veux l'enlever. Vous voyez, je faisais ça souvent avant. J'essaie de ne plus le faire. Donc, ça va être à fixer avant d'aller colorier, hein, parce que sinon. Je vais tout accrocher en coloriant. Donc, je vous montre les petits effets. J'ai une difficulté avec ma lumière. C'est le soir. Hein. Je vous fais mon spécial fond le soir. Donc, c'est pas évident de montrer les petits effets de lumière. En tout cas, j'espère que vous voyez la paillette que ça fait dans le fond. Donc voilà pour lui, je l'aime bien. Là, on va aller voir de quoi ils ont l'air nos deux autres fonds qu'on a fait avec
Avec l'aquarelle, on va commencer par le premier. Je crois qu'il est sèche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le drawing gum sur les deux colos. Comme ça, on va se rendre un petit peu plus compte, là, parce que comme ça, que le drawing gum, c'est pas très beau. Ça semble tout sèche. Et même chose sur celui-là. Je vais le faire avec vous là, tout de suite. Je veux voir ce que ça donne. Je vais faire juste un petit coin. Un petit coin. Ah ouais, sur l'aquarelle, ça s'applique mieux, je trouve, que sur le gélato. Donc, je vais faire ça partout pour lui avec mon Prisma 65. Et ça aussi, ben, je vais devoir le fixer pour que ça reste là. Que ça reste bien en place. Avant de finir, je pense que je vais enlever mon drawing gum, hein? OK. Fait que je passe hors caméra, j'enlève le drawing gum des deux colos et ensuite je vous reviens. Bon, je vous reviens avec les deux fonds et le washi. Le washi tape, pas le washi tape. Le drawing gum enlevé, c'est toujours plus beau. Donc voilà, ça donne ça pour les deux aquarelles. Elles sont vraiment magnifiques. Bon, là, on va les terminer. On va mettre tout simplement. Bon, j'avais un morceau de drawing gum. Je l'enlève avec ça, là, les petits trucs de robeur, là. OK, bon, on va mettre le Prisma 65 dans le fond. Je vais le mettre au doigt. Je vais peut-être pas en mettre partout. Je vais peut-être faire juste des petits spots. Et quand je vais l'avoir toute coloriée, ici, je trouve ça coupe carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pastel Sennelier blanc. Je vais voir là, avec le dessin si ça fit. Et je vais venir faire comme un nuage dans le bas pour faire comme si elle sortait d'un nuage. Ça, il faut que j'attende qu'elle soit colorée. Je dis que j'en mettrai pas partout. Ça va finir que je vais en avoir mis partout. J'en mets un petit peu plus épais que dans l'autre. Que dans l'autre fond, je veux dire. Et là, vous voyez, j'ai des endroits là, que ça n'a pas. Tu sais, j'ai mis trop de drawing gum. Ben ça, je vais faire ça au crayon, ça n'apparaîtra plus un coup. Ça va avoir, que ça sera tout coloré. Bon, je pense qu'on est correct avec le petit pigment. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Oh, c'est très beau, hein? Je ne sais pas si vous voyez, mais ça change de couleur, mes amis. Et avec le genre de crépuscule bleu, c'est magnifique, je trouve. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner un coup coloré. J'ai déjà mon idée pour les couleurs. Donc, et voilà pour le deuxième fond. J'aime beaucoup. Et là, ben pour lui, comme je veux faire quelque chose de style romantique, antique, ben je vais faire mes fameuses écritures. Je fais souvent, mais bon, j'aime bien. Donc, je vais prendre mon Pentalybride et je vais pas écrire rien, hein, je vais faire semblant d'écrire. Donc, je vais vous faire l'avance rapide pour que vous puissiez regarder comment je fais, mais c'est pas la première fois que je vous le fais en vidéo.
là, pour les petits points, il y a des petits points là, que la Carzone, elle a fait. Je vais les mettre dedans. Amis, je dirais que notre spécial fond du mois d'avril est terminé. Ça a été quand même assez rapide pour les trois fonds, je trouve. Et je suis plutôt contente puisque, comme je vous ai dit, je n'étais pas dans des livres de tests cette fois-ci. Donc là, j'essaie de vous les mettre les trois côte à côte. Et vous voyez ce que ça fait avec l'écriture. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez dans les trois fonds. Ça me fait toujours plaisir de savoir ça. Moi, j'aime bien celui-là et lui en dernier, je pense. Parce que ça ressemble beaucoup à ce que je fais habituellement. Donc, j'ai une petite préférence pour ceux-là. Ils sont un petit peu plus féeriques. Elle, je sais pas, peut-être que je vais rajouter, quand je vais l'avoir terminé, bon, comme je vous ai dit, je veux faire un nuage en bas. Et peut-être avec ceci, les duals Metallic Brush. Peut-être que elle, ben, de toute façon, je ne mettrai pas du doré, je vais mettre du argent pour celle-là. Je vais prendre le stylo argent comme une point brush et peut-être venir faire des genres de petites, je sais pas, arabesques qui partiraient, mettons, de ses ailes. Parce que comme je peux voir, il y en a quelques-unes. Donc peut-être que je pourrais le faire avec ça. Je ne sais pas, je vais voir. Je vous en reparlerai dans les coloriages terminés du mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre les liens des choses que j'ai utilisées dans cette vidéo-ci, si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Et voilà, ben c'est tout pour moi. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.